Après une chirurgie, la chimiothérapie adjuvante a pour objectif de prévenir le risque de rechute en détruisant d'éventuelles cellules cancéreuses non détectables. Avant la chirurgie, pour une tumeur localement volumineuse, elle prévient le risque de rechute de la même façon et peut permettre une chirurgie conservatrice. Déterminer qui a besoin de recevoir une chimiothérapie après chirurgie, plusieurs paramètres sont étudiés. Le risque de cellules résiduelles potentielles non détectables, la taille de la tumeur et l'envahissement ganglionnaire, la biologie de la tumeur, son grade histologique, la prolifération, la présence ou pas de récepteurs aux hormones et la surexpression ou non de HER2. La décision de recourir à une chimiothérapie adjuvante est prise par un comité multidisciplinaire et discutée avec la patiente. Chimiothérapie consiste à utiliser des médicaments pour détruire ou contrôler la croissance des cellules cancéreuses non détectables. Elle est composée d'au moins un médicament, le Taxotere ou le Taxol, ou d'une association de plusieurs médicaments, comme dans l'association FEC, avec éventuellement d'autres traitements ciblés. Il existe différents types de protocoles qui sont individualisés pour chaque patiente.